Salut à tous mes amis, et soyez bienvenus sur ma chaîne YouTube Morgan Jim Gray. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing, et c'est sur deux unboxing sur la figurine de Kylo Ren, la Black Series de la Star Killer Base. Donc ça fait un style diorama avec un socle de neige qui est plutôt bien foutu. Donc de base, je vais pas faire un unboxing parce que je voulais vraiment regarder son carton. Bon, je vais quand même faire un unboxing pour la présenter, mais après elle va retrouver son carton, je pense. À savoir qu'il y a deux figurines, enfin deux et une troisième. Donc vous avez Kylo Ren avec le socle de glace. Vous avez les Starkiller. Vous avez également Starkiller base Rey avec le socle de glace qui s'assemble en fait avec Kylo Ren, donc en fait elle se met du côté droit. Et avec Rey en fait vous avez un socle supplémentaire. Ou si vous achetez les figurines de base Star Wars du 7e opus, vous achetez Finn. Et en fait sur le troisième socle en fait vous pouvez allonger Finn. En fait ça fait la scène finale du film. Donc c'est l'édition Black Series. Hein. Donc c'est Black Series, c'est les figurines, enfin c'est les trucs les plus rares à trouver pour pas cher. Donc moi je l'ai eu pour à peine 12 euros en enchère en fait sur eBay. Il y a un gars il l'avait enchéré à 8 euros. J'ai attendu la dernière seconde et en fait j'ai mis 9 euros. Puis du coup bah, je l'ai eu à 9 euros. Et avec les frais de port bah, j'ai payé 12 euros. 12 euros 60, tout comme ça je crois. Donc moi ça me fait un objet en plus de Kylo Ren en version Black Series. Sauf que j'ai mon cosplay complet avec le sabre laser, le masque et tout de Kylo Ren en Black Series. J'ai d'autres figurines en Black Series de Kylo Ren. Ça c'est celle-là, c'est vraiment celle-là que je recherchais. Enfin, que je recherchais quoi. Donc j'ai bien fait d'avoir enchaîné. Donc allez, c'est parti. Donc avant, je présente un peu côté de la boîte en. Rien de particulier. Donc je sais pas si je vais la laisser sous boîte ou si je vais la déballer, enfin ou si je vais la laisser sans boîte. Dans sa boîte elle a vraiment un côté stylé quand même. Hein. Mais bon, si je laisse sans la boîte, enfin si je laisse déballer, faut que j'achète Ray. Bien sûr. Donc allez, hop, c'est parti. Alors je vais mettre comme ça sur mes jambes. Alors déjà, premier truc, point positif, c'est que c'est du tissu. Vraiment très joli, de bonne qualité en plus. Avec un petit dégradé de neige en fait sur le tissu. Bon c'est pas ouf non plus mais ça a son charme. Donc, vous avez le sabre laser sans les lames. Je sais pas comment on fait pour l'enlever. Alors, je sais pas s'il y a un truc. Alors, rien d'élastique ici. Avec une petite ficelle, j'ai retiré vraiment. Tac, niveau jambes. Un sabre laser qui est un peu plié, c'est à cause de l'emballage. Bien sûr, c'est mis n'importe comment.
Alors le socle, parlons du socle déjà. Il est vraiment joli. On va mettre des petits points pour maintenir les pieds. Donc comment on fait un trou? C'est marrant. C'est du plastique dur, mais ça fait également silicone assez souple sur le dessus en fait. C'est marrant. En fait, la base, c'est vraiment du plastique dur, mais là ça fait style vraiment. Silicone en fait souple, c'est marrant. Et Kylo Ren, je vais faire une petite mise au point. C'est déjà bien. Qui est vraiment bien fait. Alors on peut enlever la capuche. Si vous voulez enlever la capuche. Et les tailles sont vraiment bien faites. Ils ont même fait des petits coups sur le casque et tout. En fait, la capuche, il y a beaucoup plus de champ quand même. L'écharpe, elle est en plastique dur. Bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des petits figurines comme ça, donc ça me fait bizarre en fait. Mais franchement, je regrette pas. Alors franchement, elle est articulée au niveau des jambes. Vous avez les points d'articulation ici. Là, même les bras, hein. Les bras, les mains. Hop, comme ça. Tac, si j'y arrive. Hein, comme vous pouvez voir, vous pouvez bouger les pieds. C'est carrément une boule en fait. Ils ont bien évolué au niveau figurine. Hop, les bras également. Bon, le bruit un peu, articule un peu. Alors, je pense pas grave. Bon, ça fait style. C'est marrant. Voilà, je suis en train de faire Mumuse. Mumuse, j'ai trouvé mon nouveau jouet. Alors, tac. Tac. Non, mais c'est bien fait en fait, hein. Le pied il tient bien dessus. Ouais, il tient bien dessus, c'est midi. C'est parce que j'ai mal enclenché le pied de temps. Tac. Donc voilà la scène, ça fait à peu près hop. À peu près comment elle s'installe, à peu près la figurine. Franchement, elle est vraiment jolie, franchement, je suis vraiment pas déçu d'avoir eu à ce prix-là. Et franchement, même pour le prix qu'elle vaut de base, elle vaut quoi? Elle vaut 29 euros, un truc comme ça. Bah franchement, même les 29 euros, j'avais même pas à refaire ma mise au point. Même les 29 euros, je pense que je les aurais mis dedans, je pense. Franchement, elle est vraiment magnifique. Bon, c'était l'unboxing sur la Kylo Ren, la Black Series, mes amis. J'espère que ça vous a plu. Et je pense que je ferai un unboxing sur Rey. Je pense que j'achèterai Rey. Et que j'installerai. Les deux ensemble. Oui, salut.